pantalon pyjama. Et nana, et qu'à chemise blanche piamillo. Et nana, et qu'à cravate et à soulier pyjama.
beaucoup. On peut encore une fois le faire appeler, s'il vous plaît. Je suis très content d'être ici ce soir, à New York. J'aimerais d'abord remercier Dieu qui a vraiment pourvu à ce voyage, qui nous a protégés jusqu'à New York. C'est vrai que c'est une longue distance. J'aimerais lui dire merci. J'aimerais aussi saluer la présence de certaines personnalités ici présentes. En l'occurrence, les différents représentants des ambassades de Côte d'Ivoire qui sont là, on va dire qu'ils sont là. J'aimerais avoir l'ovation pour eux, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. J'aimerais aussi saluer la présence d'un homme qui a pourvu aussi à ce voyage, qui m'a dit, Jean-Jacques, est-ce que tu connais les États-Unis? J'ai dit non, je ne sais pas encore arriver aux États-Unis. Il m'a dit ok, d'accord, je t'offre des vacances aux États-Unis. Et tout frais payé. J'aimerais qu'on ovationne pour le parrain Kwame Adjolim, s'il vous plaît. J'aimerais aussi remercier et saluer surtout la détermination et le courage de cette ONG. Les enfants de Marcory qui ont posé quand même pas mal d'actes pour les enfants démunis en Côte d'Ivoire. Et moi, tout ce qui touche au social m'intéresse. C'est pourquoi j'ai voulu être présent ici ce soir pour honorer vraiment cette ONG. J'aimerais qu'on ovationne pour cette ONG, s'il vous plaît. Ce soir, je me transforme, je dirais, en animateur pour annoncer l'artiste. Je ne vais pas voler la vedette à l'artiste de ce soir, qui a fait la gloire, je dirais, qui a eu des moments de gloire en Côte d'Ivoire. Et on le connaît tous ici. J'aimerais qu'on ovationne ce soir pour Serry Simplice, s'il vous plaît. Serry Simplice pour vous ce soir. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci Jean-Jacques Kwame, on l'applaudit très fort. Jean-Jacques Kwame, venu directement d'Abidjan pour cet événement de ce soir. Voilà, comme il a dit, il a introduit Serry Simplice, je vous le disais tout à l'heure. Nous avons des invités surprises, des artistes surprises. Jean-Jacques Kwame, Serry Simplice, nous le connaissons, il n'est plus à présenter. Il a fait la gloire de la musique ivoirienne. Et bien sûr, vous le constatez, il est plus jeune que moi là. Hein? Voilà, c'est ça aussi le doyen Serry Simplice. Serry Simplice, je m'incline devant sa majesté et puis je te donne mon micro. Venez danser avec moi. Yeah. On se rappelle là.
TV est la télévision officielle de ce soir. Vous pouvez aller sur www.ivoiretv.net à partir de ce soir pour voir le film en direct. C'est un film qui sera suivi par tout le monde entier. Sans commentaire, je voudrais appeler ce soir l'inégalable et la beauté faite homme, Estelle Yesso, que je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Estelle, s'il vous plaît. Ivoire TV. Voilà, merci bien Estelle. Voilà, c'est à elle que je vais remettre ce micro. Et c'est ma collaboratrice d'Ivoire TV. Elle a son show, Estelle Show, tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Ivoire TV. Merci bien Estelle. C'est à toi ce micro. Merci bien. On l'applaudit encore une fois de plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, je pense que la loutasse reviendra à Estelle tout à l'heure d'ouvrir, d'annoncer l'ouverture du bal. Merci bien, Estelle. Merci Germain Kouassi. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vois que vous êtes très nombreux venus à ce dîner gala. Je vous remercie. Je vous demande de vous applaudir très très fort parce que vous êtes magnifiques ce soir. Eh bien, alors avec DJ Biran, nous allons donc annoncer l'ouverture du bal car je sais que tout le monde attend à toi. Merci. Je ne sais pas où, 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 je ne sais pas où.
You know, 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 you know,
C'est ça, c'est ça les camponamoulous, c'est ça, c'est ça, c'est ça les camponamoulous.
l'anniversaire du 2016.
Alors bonsoir. Bonsoir. Alors comment allez-vous? Ça va, merci Estelle. Okay. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous avez entendu parler du gala de bienfaits de l'Anse de Marc Aurèle? Ben en fait, je fais partie de l'équipe de la main tendue. Nous on est basé à Washington DC et on fait pratiquement la même chose que les ressortissants de Marc Aurèle font, ce qui est pratiquement assister nos parents au pays, les gens ont besoin et tout, voir comment est-ce qu'on peut organiser la communauté ici, à participer un peu et assister, aider un peu les gens qui sont au pays et puis et tout, bon c'est ça. Alors nous on est venus ici pour supporter, venant de DC, c'est pas trop facile pour les Africains de se supporter vraiment, on préfère toujours que ce soit les Blancs qui le fassent. Alors bon, nous on a décidé de faire le voyage et venir ici supporter les frères qui sont là et qui ont établi cet établissement. Et dites-nous un peu, à la fin de cette cérémonie, comment vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que le message est réellement passé? Ouais, je dirais que le message est réellement passé, mais aussi, bon, j'aurais vraiment apprécié l'enthousiasme des participants, mais je pense qu'au fur et à mesure, le temps viendra où on sera tous excités à participer à ce genre de choses-là et à penser vraiment que donner, c'est vraiment super et puis ça fait plaisir. It makes you feel alive, really. Helping others, charity is one greatest comfort, to my opinion. So I really hope that everybody catch up with it and that we actually do enough for our communities as far as we come. You know, being all the way here across the sea, it's about time that we actually wake up and do something and not just live and club and do all the things that we could do and forget about where we come from. So we came to support from DC. Thank you. Thank you. Merci. Ils sont toujours présents quand Marc Aurèle fait quelque chose. Il s'agit de DJ Camus de la Roca et de DJ Saddam Abdoul Hussein et tout ça. C'est comment? DJ Saddam Hussein, Sunjata Keita, le Tramenzini. C'est moi. DJ Camus de la Roca, Modogo Jean-Franco Ferre, Bikulu Banzani, la source. Ah ben voilà, ils se sont identifiés et présentés. Alors ce soir, comment vous vous sentez? C'est pas la première fois que vous participez au dîner gala de Marc Aurèle. Alors quelles sont vos impressions? Quand il s'agit de Marc Aurèle, même si on a quelque chose à faire, il faut être là. Parce que Marc Aurèle, c'est l'avenir de l'Afrique. Marc Aurèle, c'est la pitié pour ceux qui sont démunis. Marc Aurèle, c'est trouver quelque chose pour ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi nous sommes là. Tant que Marc Aurèle sera là, on sera toujours là. Et vous? Marc Aurèle, c'est ma famille. Marc Aurèle, c'est mes frères. C'est mes cousins, c'est mes grands frères et tout, voilà. Quand il y a quelque chose, quand il y a un événement de Marc Aurèle, je me débrouille pour être là, quoi, voilà. On me dit, je suis vagabond, je parle pour que mes amis qui ne sont pas allés à l'école puissent comprendre, quoi. Voilà, DJ Saddam Hussein. Voilà mon patron qui est là, DJ Yaku Kamus de la Roca Piccolo Banzani, voilà. C'est nous, on a le pouvoir, on a toujours le pouvoir. Et très bientôt, je serai sur l'émission avec Maman Esther. Estelle Show. Estelle Show. Jérôme. Le grand Jérôme à la partie technique, voilà. Alors, on était busy, mais non, on a fait notre déplacement ici. On n'a pas besoin de parler les gros mots. On n'a pas besoin de ça pour impressionner les gens. On parle pour que les gens puissent nous comprendre. Voilà, c'est ça. DJ Saddam Hussein. Ivoirtv.net. Si tu ne vas pas sur Ivoirtv.net, c'est que tu es un gaou. Merci. Si tu es fier d'être un membre de l'association des ressortissants de Maïgori, allez bouger, allez bouger, allez les mains, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Allez.
de Marcory. C'est la troisième fois que vous y assistez. Quelles sont donc vos impressions? Écoutez, cette fois, cette manifestation a été meilleure aux autres manifestations. Mais c'est toujours la même chose. 2009 était meilleur à 2010, et 2010 est meilleur à 2011, et ainsi de suite. Et j'aime bien participer à ces manifestations parce que vous défendez une bonne cause. Vous donnez à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est très important. Alors, quel conseil vous pouvez prodiguer, je dirais, par exemple, aux Ivoiriens de la diaspora? Je dirais aux Ivoiriens de la diaspora d'être soudés, de penser au pays. Et il n'y a que à travers cette association qui peuvent également penser au pays. Et ce que vous faites est très bien. Et je me rends compte que ça fait 3 ans qu'ils vous soutiennent. Mais en vous soutenant, ils soutiennent le pays également. Ils soutiennent tout ce qu'il y a comme cause terrible. Vous savez que nous avons vécu une catastrophe en Côte d'Ivoire. Et vos aides ont été très utiles. Merci et bonne soirée. Merci madame. Je suis même fier de faire partie de la fête parce que c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc je suis vraiment content. Dites-nous un peu, aujourd'hui vous avez été l'invité artiste d'honneur. Comment est-ce que vous êtes senti de prendre part à ce dîner gala? C'est mon jeune frère Peter Wan qui m'a parlé de ce groupe et qui a donné mon contact. Et j'aimais bien ce que, quand il m'a parlé de vous, bon, j'ai vraiment aimé. Et puis bon, j'ai dit bon, je donne ma participation parce que c'est ce qu'il fallait en Côte d'Ivoire pour aider nos frères qui ont des problèmes. Donc je suis vraiment content de faire partie de la fête. Merci grand frère Thierry Simplice. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance? Oh super, super. Ben, je ne sais pas comment dire ce que dire, mais c'était une très belle fête. Une fête en même temps de humanitaire et en même temps fraternelle, parce que j'ai vu la présence des Ivoiriens dans la salle et cela m'a fait plaisir. Vous-même, vous êtes responsable d'une ONG. Aujourd'hui, quel conseil vous prodiguez à l'association des ressortissants de Marco? Ben, je ne fais que les encourager. La population des ressortissants de Marcory ont fait un très, 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 très bon boulot et continuent de le faire parce que ce n'est pas leur premier gala. Et ce qu'ils sont en train de faire, quand j'ai vu le film que vous avez projeté tout à l'heure m'a beaucoup touchée parce que il ne s'agit pas de créer les ONG pour les créer, mais il faut les créer pour que ça touche les personnes qu'on a ciblées. Et vous l'avez fait. Je ne peux que vous encourager dans ce que vous faites. Surtout, demandons aux Ivoiriens de tendre la main tous les jours à ceux qui ont besoin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende toujours des autres. Il faut aussi que nous, de notre pays, contribuons. Et aidons aussi nos petits frères et sœurs, nos parents, comme tu l'as dit tout à l'heure. On ne sait jamais où on sera demain. Et donc, quand on contribue, on reçoit en retour. Je vous encourage, que Dieu vous bénisse dans ce que vous êtes. Comme tu l'as dit, nous aussi on a une ONG, ce n'est pas facile. Mais il faut toujours vous supporter. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes déplacés pour venir vous supporter. Et vous l'avez toujours fait à notre compte. Alors, je lance un appel à tous ceux qui entendront qu'il y a une œuvre humanitaire quelque part, même s'ils ne peuvent pas, de prendre leur website, de contribuer, ne serait-ce $1 par mois, ça fera le changement. Merci, c'était donc Pepita Krabbé qui a fait le déplacement depuis Washington DC. Je peux profiter de ton micro pour annoncer aux Ivoiriens que le 7 août, nous aurons notre deuxième édition
ambiance, la foire culturelle et économique à Washington DC. Nous avons besoin de vous. Venez nous supporter. Et tous les Ivoiriens de New York, nous vous lançons un défi. On vous attend et on remercie Ivoire TV de toujours être là quand nous avons besoin d'eux. Merci que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne tous les jours l'essence de continuer dans ce que vous faites. Merci. Merci. Bonsoir Madame Konga. Bonsoir. Alors ça fait la quatrième fois que vous participez au dîner gala de Marco. Oui, en effet, oui. Je pense que ce quatrième dîner gala, je crois. La troisième ou le quatrième, la quatrième fois. C'est la quatrième fois que je participe à ce dîner gala. Et je pense que cette rencontre va nous permettre de réfléchir à ce que nous continuons de nous réunir et s'aimer et tisser la paix en Côte d'Ivoire. C'est la priorité pour que la Côte d'Ivoire puisse progresser. Et je remercie l'Éternel de nous avoir réunis ce soir, d'avoir collecté assez de sous pour les handicapés. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors c'est la troisième fois que vous assistez au dîner gala de Marcory. Quelles sont vos impressions et sentiments? Je trouve que c'est un gala exceptionnel, c'est un gala humanitaire, c'est un gala qui n'est pas politique, qui est pour des enfants, surtout cette année, c'est quelque chose qui m'est très cher, c'est les handicapés, et l'idée qu'on est tellement gâtés ici et qu'on pense à eux, et je suis sûre qu'eux pensent à nous. Et si on pouvait réaliser un tout petit peu de rêve pour ces gens-là, on aurait réussi notre soirée. Et j'espère bien que ça continuera souvent, encore beaucoup d'années, parce que c'est vraiment à une organisation à New York, c'est vraiment à New York, une organisation africaine exceptionnelle, parce qu'il y a beaucoup, il y a des organisations africaines, mais pas humanitaires comme celle-ci, qui essayent de faire quelque chose. Et quand on peut avoir du bon temps et aider les autres, ben c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. À l'année prochaine alors. Bien sûr. Bien sûr. Alors, donc à Marcory, il n'y a pas que des Ivoiriens. Nous avons avec nous une Américaine. Nous allons donc lui demander ses impressions. How are you? I'm fine. How did you find the whole, I would say, the whole party? I think this is an amazing party. This is one of the best parties that I've ever been to. You had a great turnout. Lots of people. Good guest speakers. It was amazing. I hope that Marcory raised a lot of money tonight. It's for a good cause. So what kind of advice would you give to those people of Marcory? What kind of advice? Yeah. To keep doing what you're doing. You're doing a good job. Keep up the good work. Thank you. And your name? Cynthia Kwaku. Thank you. Le son est là.
Ivoiriens par l'exemple si pas trop riche. Alors, monsieur Ismaël Cissé, président de l'association des ressortissants de Marcory, cette année encore, je pense, a été un succès. Quelles sont vos impressions après 3 années successives de consistance dans cette organisation de gala de bienfaisance? Ben, d'abord, je commence à dire un grand merci à Ivoire TV. Et comme on le dit, sur le travail, il n'y a pas de secret. Nous avons travaillé des gens compétents comme Estelle, par exemple, qui est juste à côté de moi. Il y a vraiment, tous les membres ont travaillé, il n'y a pas de secret. Sur le travail, paye, c'est tout. Voilà. Et je crois que ça a été vraiment un succès, une réussite, puisqu'il y a eu plus de monde que les 2 années passées. Et c'est vrai que nul n'est parfait, mais il y a eu un retard au départ, mais à la fin, les gens ont aimé. Donc les gens, beaucoup, je pense, font parler leur cœur. Et par la grâce de Dieu, on ira en tout cas tenir encore notre promesse, comme on le fait chaque année. Donc vraiment, c'est plus un succès. Et grâce en tout cas aux membres de l'ARM, à qui je tire un grand chapeau. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à Ivoire TV encore. Vous avez un dernier mot? Ben encore merci à tous et à toutes. À Pepe Takragwe qui est venu de Washington. Bazo qui est venu de Washington aussi. Monsieur Adjolou Kwame qui est venu d'Abidjan. Le docteur Samuel qui est venu juste pour faire une présentation sur les handicapés. Tous ceux qui ont fait le déplacement depuis tous les États-Unis, depuis partout de l'Europe. Jean-Jacques Kwame qui était là aussi. Et Cyril Simplice aussi qui a été l'artiste invité. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.